Bonsoir mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 2 juillet 2022. On a le soir d'Algérie un article bien. Où j'ai quoi? Youssef Aouchiche, premier secrétaire du FFS. Kalfin Djaya, dans un meeting, hein, le devenir de la Kabylie est lié au devenir de l'Algérie. Voilà les paroles d'un gens nationaliste. Voilà où ils sont dans l'opposition. Ça chauffe les descendants d'Aïd Hamid. Allah yarhamou. Qbayl Fhoula, les habbou, la religion d'Aïd Hamid, les habbou bledon. Qui a beaucoup de sens, qui unit les Algériens. Un parti, les dernières nattes, le combat politique, c'est-à-dire les élections, c'est le parti le plus gagnant, gagne les partis en Algérie. Au côté de Koumanéa, aujourd'hui le FFS, c'est le deuxième parti le plus important en Algérie, le parti d'opposition. Parce que c'est un parti d'opposition, le FFS. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Il accepte de rentrer dans le combat démocratique, mais ça reste un parti d'opposition. Et, surtout comment il a fait les élections dans la PL. Il a eu, je ne sais pas combien de députés, Sénat, il a eu 2 députés. Puis, local, les élections locales, il a eu, je ne sais pas combien de... Pour la région, Tahon, les élus locaux, les présidents d'APC. Et aujourd'hui, ils sont majoritaires, certains trucs sont majoritaires pour les appuis. Certains appuis, le FFS est majoritaire. Au côté de Koumanéa, il viendra le jour, dans 4 ans, 5 ans, si la Kabylie, Kabylie, dans la région, on est obligé de parler. Le temple le parti d'État, où il s'endo, où il milite, où il vote, Oxymon Bindao, Rémei, Aya, Houali, de la majorité de la PR, la prochaine mandature. Mais il y a Roua, il y a la majorité, la PL, oui, le Premier ministre, Mme de l'FFS. Maintenant, revenons à ce qu'il a dit. Roua, il n'a pas dit, média, régionalisme. C'est-à-dire, le devenir de la Kabylie en tant que Kabylie régionaliste. Non! Le devenir de la Kabylie est lié au devenir de l'Algérie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que si la Kabylie vote, gagne, magistre, massivement, il vote, ou il met l'Aslahiyyat, l'FFS, Meïa, le FFS, le premier ministre de l'Algérie. Et donc, c'est le devenir de l'Algérie qui est en jeu. Ce n'est pas le devenir de la Kabylie qui met chez moi des séparatistes, d'Almac, les Haïchés de l'étranger. Ils reçoivent de l'argent de l'étranger au Gahil. Ils font de la cause Kabylie une affaire d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent à la Kabylie. Oui, c'est connu, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je suis en train de dénigrer. Le soulard Farhatmani, comme ça. Mais je me suis la gueule terme. Quoique la gueule terme est adjumée. Il a une mauvaise gueule, il a la mimique. Lui. Mais, c'est des gens qui se sont mis sous les bottes du Maroc et d'Israël, et reçoivent de l'argent à Paris, en France, au Cadiz. Ils se croient, je ne sais pas si ils avaient milité. Moi je dis, je vais aller chez le bien cela. Je vais aller chez le bien les bombes. J'ai dit, on doit
il de cela en Algérie. Moi j'ai envie de dire au bien d'Ara. Eh bien, envie de dire au bien, Aïchine, il y a un gouvernement fantoche de bas. Je ne sais pas comment il a été élu. Là-bas, où il y a des ministres, il y a des ministres, il y a des secrétaires, il y a des secrétaires d'État, il y a des chargés de mission. Le Maroc donne au MAC à peu près, je crois, 280 000 ou 300 000 euros. Plus, je n'en veux pas. Les 2 millions de Kabyles en France, ils donnent de l'argent au MAC. Et le MAC les a escroqués. Ils disent, la carte nationale, le gouvernement Kabyle. Et si vous avez les raisons, il y a un sap, il y a un certain Kabyle, mais il ne faut pas leur en vouloir. Il y a un sap, et il te moque. Alors peut-être, Hakka, peut-être, peut-être. Il n'y a pas de peut-être, mes frères. Il n'y a aucun peut-être. Les amis et nos cousins des Kabyles qui vivent en France, les amis, ils savent une chose, que le Jazair est un pays. Même si on a la binationalité, on a la double nationalité française, algéro-française, ils sont libres, puisque les lois leur permettent. La France, c'est l'Algérie. Et de par hasard, pour des raisons qui leur sont propres et avantageuses, un domaine d'avantage, ils diront la double nationale. Mais il faut oublier Bledon, c'est Djazair. Oui, ils sont les bienvenus, ils ont été toujours les bienvenus en Algérie. Dieu, Dieu les vacances, les Dieu l'Aïed, les Dieu les Chahabo, et Dieu chez eux. Et ils sont libres de sillonner l'Algérie, ou dire où Chahabo fait Bledon. Ce qui est permis par les lois, bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent dans leur pays, malheureusement. Il faut qu'ils aient oublié, il n'y a aucune possibilité pour l'escroc d'Afrahat Mani de réaliser ses plans, plutôt les plans d'un Maroc ou d'Israël. Il ne pourra pas. Enfin bon, vous êtes des Algériens. Tu vois, quand on a échoué en France, vous avez, bon, vous êtes rebelles. Mais vous savez que qui met de marché, qui met chez Algériens, vous pensez que chaque, mais je parle de l'armée algérienne, on a donné celle-ci, chaque fois que les commandes, t'as son bled et tout le monde fait, mais ils ne savent pas où aller, non c'est chaque fois qu'ils montent à la guerre à cause de, t'as son bled et mettre à la million de chez. Il faut revenir à terre, revenir sur terre. Où est Farhat Mehdi et ses amis? Ils gardent de l'argent, ils labourent, ils vivent. Ils vivent encore, ils vivent, ils croient. Il y a un peu de télévision, il y a un peu maintenant de YouTube. Mais moi, je ne sais pas. On a aussi une chaîne française de grande écoute. Tu sais, c'est Farhat Mehdi. Tenir le langage de séparatisme à la faisait. Aucune chaîne ne peut ne l'invite, aucune chaîne ne traite Yadam, rien du tout. Il faut que l'Algérie est plus forte que Farhat Mehdi. Ou en plus de ça, il faut que les Kabyles, les Maïchines, les Français, les Mosses, les Algériens, totalement, ne croient pas en cette histoire. Peut-être que c'est une blague, peut-être que c'est des familles. T'as Kabyle, t'as Dzili, Mnesbin, Khalta Binetham, t'as Samomta, pour faire plaisir à Israël et au Maroc. Non, mais ça fait rien. On rigole bien avec Farhat Mehdi. C'est un comique, on a le clown de Paris. Allez, salam alaikum.